Quatrième édition cette année de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Plus de 300 coureurs et marcheurs sont présents. La journée est assez froide, donc il y a des activités toute la journée pour rester réchauffé. Voici ce qui se passe à l'événement. Quatrième édition cette année de la course aux couleurs du Sud. Qu'est-ce qu'on a au programme? On avait, dans le fond, la Fédération du rugby du Québec qui était présent aujourd'hui pour faire de l'initiation au rugby avec les grands ou les petits. On a aussi plusieurs artisans qui sont ici en train d'exposer. Il y a toutes sortes de trucs à vendre. Ensuite, on a des structures gonflables. On a aussi une activité qui était pouce et enfants soleil. C'était un coup de pouce pour la vie. On a demandé à tous les participants de faire une empreinte de couleur dans un soleil qu'on a tout collé sur une banderole, et une banderole avec un ciel. Et on a invité Nancy et son petit garçon, le petit Jacob, et Louis, son petit frère, qui est l'enfant soleil de Montmagny. On a remis la banderole. Et c'est ce que nous, dans le fond, ça a été comme une annonce. C'est un geste symbolique pour annoncer la transition, qu'à partir de demain, le 23 septembre, tous les fonds ramassés qui est relié à la course aux couleurs du Sud vont aller à l'opération Enfant-Soleil. OK, c'est génial. Puis comme c'est ça le principe de la journée, c'est une course aux couleurs. Donc, les coureurs, les marcheurs se font garrocher de la peinture. Bien, pas de la peinture. C'est de la poudre colorée. C'est, dans le fond, c'est de la fécule de maïs. OK. Puis, quand il fait beau et chaud, on a aussi la couleur liquide, mais je crois qu'aujourd'hui, les participants en voudront peut-être pas. Là. On a aussi la gouache aussi à l'occasion, mais aujourd'hui, à cause de la température, oui, c'est un petit peu plus frais. On a la mousse au départ. Ça, les jeunes aiment ça. Même les grands, là, on passe... On avait aussi un atelier de peinture sur bois. Le thème, c'était « Action ». Le jeune était amené à participer à dessiner sur 4x8 en bois. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que l'année prochaine, bien, c'est un concours aussi, c'est que l'année prochaine, les participants vont choisir le dessin qui est le plus représentatif, et on voudrait en faire comme le logo, parce que l'an prochain, c'est notre 5e édition. Oui. Et alors, ça va être c'est festif. Fait qu'on va faire un grand virement pour la 5e édition. Fait que le concours de peinture sur bois va nous amener vers la 5e édition. C'est ça. Donc, il y a un jeune qui peut avoir la chance de retrouver son dessin l'an prochain comme le logo officiel. Oui, c'est ça. C'est génial. Puis, aujourd'hui, il y avait plusieurs parcours de course disponibles, donc autant pour les plus petits que pour les personnes plus habituées. C'était quoi les choix de parcours? On a le 1 km. Oui. Et ensuite, on avait le 5 et le 10 km. OK. Qui est offert aux participants. Oui, c'est génial. Puis il y a également de la nourriture, un bar, des smoothies et du spaghetti, je crois, sur place. Smoothie, on a le bar à spaghetti. On a aussi un petit peu de boisson, là, quelques bières. Il y a des gens qui prennent un petit peu de bière avec le spaghetti. Nous, tous les fonds réunis, c'est sûr, vont aller à d'entraide aujourd'hui. Là. OK. Mais, c'est génial. Puis là, aujourd'hui, comme on a dit, il fait un peu froid, donc il y a des activités toute la journée pour se garder au chaud. Oui, c'est ça. On avait le Rock Pound Fit avec Jess. Jess Langlois, c'est sa deuxième année avec nous. Toujours aussi dynamique et toujours pétillante. C'est génial. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et donc, quatrième édition cette année de la course aux couleurs du Sud. Est-ce que c'est votre première expérience? Première expérience, oui. Oui. Donc, comment vous avez trouvé ça? Vous venez de courir? Oui. Est-ce que c'est le fun? Oui. Là, t'es tout plein de couleurs. Et toi, comment as-tu trouvé ça? Bien. Oui, t'as aimé ça? C'est pas trop dur? Non. Est-ce que ça serait une expérience à répéter? Oui, oui, tout à fait. L'année prochaine, on va mettre ça à notre agenda pour l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous participez à la course? Oui. Oui? Oui. Aussi? Oui. Et comment vous avez trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça très amusant parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Oui. Ouais, c'est vraiment le fun, surtout que j'ai battu mon temps. Oui, vous avez fait combien de kilomètres, là? 5 kilomètres. 5 km.
kilomètres, c'est beaucoup. Ouais. Puis vous êtes encore même en forme après. On est habitué, on fait ça. La semaine passée, on a fait une autre course. On fait souvent des courses 5 kilomètres. Donc, est-ce que vous pensez revenir l'an prochain pour refaire cette course-là? Oui. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous participez à la course aux couleurs du Sud? Oui, c'est la première fois. Oui, puis comment vous avez trouvé ça? Vraiment cool. C'était cool? T'aimes ça avoir des couleurs partout sur toi? Ouais. Ouais? Puis est-ce que c'est une expérience à répéter l'an prochain? Oui, vraiment. C'est un bon moment mère-fille. Hein? Puis peut-être avec ma soeur l'année prochaine. Oui, peut-être. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la course aux couleurs du Sud? Non, c'est notre 4e édition. OK, donc c'est la 4e édition, c'est votre 4e édition à vous. Qu'est-ce qui vous fait triper dans cet événement-là? Bien, premièrement, on est des gens du coin. C'est que pour nous, c'est une belle occasion de montrer notre village aux autres qui viennent de l'extérieur. C'est toujours le fun de voir les enfants, les familles, les jeunes familles qui viennent s'amuser dans notre municipalité. Oui, puis c'est le fun, on ressort de là tout coloré. C'est une belle expérience. Vous faites ça en famille, mère, fils, je crois? Il n'y a pas d'âge pour ça, pour venir s'amuser. Fait que c'est bien le fun. C'est génial, merci beaucoup. Donc, on se prépare à l'arrivée des coureurs. Derrière moi, la mousse est mise en place pour l'arrivée. C'est encore une très belle édition cette année pour la course aux couleurs du Sud. Et on surveille la 5e édition l'an prochain qui s'annonce encore super festive et très colorée.